Et ouais, Kryu qui part bien sur Nagoriyuki. C'est Allez, ouais, sur le chat aussi, là, faites du bruit. Grand Finals de cet Overdrive sur Guilty Gear Strive. Yes, ça part de là et ça part sur Nagoriyuki. Effectivement, tout de bleu vêtu, les deux personnages. On va voir. Perso bleu. On va voir si le pic sera décisif cette fois-ci. Hein. La dernière fois que j'ai vu Nagoriyuki de Kryu, il a 3-0 le bougre en face, donc c'est possible. Ah, ça. Nagoriyuki, hein, on ne présente plus un perso vraiment très fort du jeu. Hein. Explosif. Malgré sa block gauge, sa fameuse block gauge, hein, il reste un très violent. Très violent, ouais, après il faut réussir à s'exprimer, hein. C'est pas évident forcément, mais là pour l'instant ça se passe très bien. Ça se passe très très bien même. Par contre la jauge de sang va monter, monter. Le Goldburst là qui a été gardé. Yes. Oh là, cette boîte des chops magnifique. Ce que les deux nous proposent. Qui va terminer le job pour ce premier round? On gratte hein, du côté de Patacho. Obligé d'utiliser. Obligé d'utiliser. Il n'y a pas le follow-up. Qu'est-ce que c'est passé? C'est pas grave. Tout dans la feinte. Magnifique. Premier round pour Kryu à l'arraché. Oh là, chop là-dedans, j'aurais jamais trouvé. Ça part de là. Kryu qui essaye de trouver. Il trouve rien. Allez, le backdash sur la chop, si tu viens dans le corner ici. Là. Ah, mais directement, Patachou. C'est Patachou qui la ramène dans le corner, mais l'autre il dit attends, t'as dit quoi? C'est là-bas, c'est ton corner à toi. Allez, c'est ton coin. C'est pas grave, il y a le kick qui est placé. De la part de Kryu. Attention maintenant, on va se regarder dans le blanc des yeux. Il y a de la furie hein, du côté de Kryu, faut faire attention. Il y a un Beyblade qui peut sortir à n'importe quel moment. À tout moment, exactement. 2P, magnifique, pas confirmé, mais ça ne fait rien. On se fait respecter quand même du côté de Patachou. Le DP. Oh, qui bien sera joué bien ça, vu. Bien RC. On s'épice. Bien joué sur l'overhead là, il regarde. Dirty Media de Patachou. Oh là là, DP sur la punition. Pas de burst hein, du côté de Kryu, on veut. L'utiliser au moment. Oh, magnifique! Non! Bah si! Franchement, c'est mérité! La vérité, c'est mérité! C'est mérité! Je dis oui à 100% sur cette action! Magnifique Kryu! Et derrière! Et c'est la mort! Ça se fait foudroyer, c'est possiblement c'est la mort! C'est la mort. Comme je l'ai dit, les vols Nagoriyuki. Je ne dirai pas plus. Ah bah là du coup. Ça a voulu un peu trop zouker dans la garde de notre ami Nagoriyuki. On se fait sanctifier immédiatement. Patachou qui va devoir prendre son adversaire un peu plus au sérieux au niveau du grattage. Ne pas se précipiter. Overhead. Overhead direct. Lolo, bien gardé. Burst immédiat, Patachou, il regardait le point. Chop déchoupé. Ah, bien joué la chop là. La part du Kryu, malheureusement. Non, pas grave, Burst. On reste dans le coin. On sort du coin, du côté de Patachou. C'est parfait. On vient essayer de maintenir le Nago dans le coin si possible. Furie immédiate. Kryu, il en a marre des bêtises là. Il a dit arrête de faire n'importe quoi là, de tournoyer sur moi, de concept ça. Arrête ça. Je te jure. Allez. Patachou qui reprend quand même. Oh, l'avantage ici. Vraiment minime, mais c'est pas grave. Oh là, ça c'était pas mal. Magnifique cette feinte. On ne chopera pas le sueur Patachou. Non. Oh là là. Double saut pour esquiver l'air chop. Magnifique. Vraiment très beau. 5P. Allez, un petit bébé. S'il te plaît, Kryu. Il en utilise pas tant que ça hein, quand tu regardes. Hein. C'est pas trop son genre hein, pour l'instant de faire des Beyblades. Il reste assez restreint là-dessus. Burst immédiat, dès qu'il l'a eu, voilà. Et voilà, dès que la Beyblade sort, là ça marche. Oui, merci.
Dommage, hein. Voilà, ça se joue hein, des deux côtés, c'est très serré hein. Depuis tout à l'heure. Les barres de vie sont toujours équivalentes tout le temps. C'est fou. Nagoroyuki, là, ça tue pas, il y a trop de vie du côté de Nagoroyuki. C'est un des persos qui a le plus de vie du jeu, si ce n'est le perso qui a le plus de vie. Beyblade, bien joué. J'essaie de faire le backdash pour rester un peu safe, dommage. Et les chevilles n'auront pas été protégées. On va sur le 1 partout du côté de nos deux finalistes. Il n'y en aura pas de facile, hein. À ce moment-là de la compétition. Grande finale comme ça, certainement pas. Ah, les dragons immédiatement là. Les bled. Recule un peu. Oh là là, la chope. Malheureusement pour Patachou. Il n'a pas de connect. Force immédiat. Ryu. Oh! Oh là, oh là là, ça touche, mais bon, ça fait pas la foule super, mais ça va. Quelques dégâts, on va pas dire non à quelques dégâts. Clairement, Kryu les prend ces dégâts-là. Overhead. Oh là là, l'overhead, la patience, hein, il a marché overhead. Oh, ça va être gros, ça peut tuer. Ah, ça c'est la mort. C'est ça, la ça tue. Tyrant Lave. Patachou de retour là qui prend l'avantage sur cette rencontre. Il explique que Nagoroyuki. De Kryu, c'est pas sérieux. Allez, on veut la Bridget, rien d'autre. Arrête tes conneries. Hey, chop, encore une fois. Ah, le backdash, bien joué aussi de la part de Patachou, vraiment une pression incroyable. L'overhead. Oh là là, oh là, 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 ça là. Déroule le plan oh de jeu. Là là. Tu fais quoi avec ta Beyblade, Big Diver? Bâton dans le ventre. C'est oh, oh, la récupération. Oui monsieur. Ouais, le raid ça tuera pas malheureusement. Ah, attention, ça part de là. Ça part de ouais. Là. Ouais ouais, une autre ça ouverture peut là. Faire le truc. Une autre ouverture peut faire le truc, bah. Mais le 2P en interruption. Patachou qui prend l'avantage définitivement 2-1. Est-ce qu'on garde le Nagoroyuki? On garde ça le Nagoroyuki. On garde le Nagoroyuki. Oh non, non, l'épée. Ah bon, direct. On mourra ou on réussira avec nos idées. C'est l'heure du Get Rich or Die Trying. Oh, bien sûr. Ça. Sacré là, pas très long. Ouais. Ah, là là. Très belle shop hein, la de shop la part était de belle. Il prend pas le corner, c'est pas grave. Oh, mais l'overhead présent au Patachou. Ouais. Dust, dragon, follow-up. Ah, ça a pas couru. On le maintient dans le coin, c'est pas grave. La prochaine sera la bonne. Maintenant qu'il y a la furie, on va utiliser le RC. Il n'y aura pas de furie. Et là, on est dans la zone du dernier mind game pour tuer. Oh et là là, la bébé. Bien sûr. RC. Hey. Attention! Oh là là, ça la shop qui sera bien vue. Pas d'air shop du côté stoppé. Kryu. Il a retenu la d'épée direct. Pas de burst. Et donc ça tuera. C'est balle de match. Hein. C'est balle de match, tout balle à fait. De match. Faut que Kryu fasse quelque chose. Burst immédiat. Ouais. Allez, Beyblade à la Beyblade. Ouais, Kryu tente quelque chose, hein, mais toutes les Beyblades sont gardées là pour l'instant. Ça n'a pas fonctionné sur le game plan. Bah S. Hey, check la barre qui part. Oh là là. Burst toujours disponible en plus pour Pata, il a quasiment rien à avoir peur là. Vraiment. Ouais. L'avantage de son côté. Il y a tout ce qu'il faut. Bien garder l'overhead là, de la part de Kryu. Oh là 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 là. Et ouais, la c'est d'un piège malheureusement. Que ça se termine. Très bien joué à Patachou. Le counter pick aura fait l'effet de surprise au début. Mais pas sur tout le match, malheureusement. C'est ça. Sur le long terme, ça ne sera pas suffisant. Pata qui remporte l'overdrive. Ouais. Un de plus dans la pocket. Bien joué. Joyeux anniversaire. À Dr. Dorf. Notre Théo préféré, bien de sûr. De cet event.
On veut des joyeux anniversaires dans le chat, hein, balancez. Hein. Pour Dorf, s'il vous plaît. Envoyez la sauce. Bien joué à tous les joueurs de Guilty. Vous avez fait le taf. Magnifique. Vraiment hein. Un beau tournoi, malgré. Bon, il y a eu quelques DQ. Quelques DQ, oui, bah, le dimanche. Ah, Dieu. Surtout le lendemain des finales à 5h du matin. Aussi, oui. Du World Tour. Vous pouvez s'y attendre. Très très bien joué, hein. Merci beaucoup d'avoir commenté avec moi. Y a pas de soucis. C'était un plaisir, merci à la régie d'avoir fait le taf aussi. Je connais pas ton prénom, mais merci. Zenium. Zenium. Dites merci pour ce spectacle qu'il vous a proposé, s'il vous plaît, à Zenium. Et écoutez, on va raccrocher le stream ici. Hein. Ouais. T'as des réseaux sociaux sur lesquels tu veux qu'on te suive, les trucs comme ça. Twitter, hashtag Shinkaos, S-H-I-N-K-A-O-S, si vous voulez. Bon, j'appuie quasi jamais, mais c'est pas grave. Suivez mon gars, Shinkaos quand même. Si vous voulez me suivre, voilà. Abonnez-vous à la chaîne Next Level, que ce soit Twitch, sur le Twitter, sur le Discord, il y a tout. Moi-même, Aeris, sur Twitter, Aeris GG à la fin. Vous connaissez déjà les bails. D'ici là, portez-vous bien. Passez une bonne soirée. Bonne fin de week-end. Il y a Overdrive le 25. Et il y a Overdrive le 25. Next Tekken Guilty Gear. C'est ça. Tekken Guilty Gear, soyez là. Inscrivez-vous. L'offre de parrainage existe toujours. Ah, c'est trop tard. Les trois jours sont expirés là. Ah, c'est passé les trois jours, mince. Je suis dans le décalage horaire, désolé. En tout cas, rendez-vous le 25. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée. Bonne soirée, à la prochaine. On coupe le stream là.